Ce n'est pas la Palme d'Or, mais ça lui a fait plaisir quand même. Laurent Cantet, réalisateur primé à Cannes pour son film Entre les murs, est revenu sur les terres de ses débuts. Invité par l'Université de Provence, il a reçu la médaille de l'université, mais a surtout retrouvé ses professeurs et camarades de la première promo de photographie et d'audiovisuel en France. C'était à la fin des années 70 et à l'époque, Laurent Cantet ne pensait pas vraiment à une carrière au cinéma. On l'écoute au micro de Romain Fiorucci. Oh non, moi, il y a 30 ans, c'est sûr que je ne pensais pas à la Palme d'Or. Au départ, je ne suis pas venu ici pour faire du cinéma, j'étais venu là faire de la photo. Par contre, j'ai commencé ici à toucher à une caméra vidéo. Alors, on avait une petite caméra et un petit magnétoscope à bande. On coupait la bande avec une lame de rasoir, on la collait. Et c'est les premières fois que j'ai touché une caméra. Et puis après, j'ai participé à un tournage fait en 16 mm par des grands, c'était la promo d'au-dessus de moi et je crois que mes premiers souvenirs effectivement d'un vrai tournage datent d'ici.